Alors, Louise Petit-Renaud, c'est très simple, elle a un défi cet été. Ce défi est très simple. Allez voir les plus grands chefs français, les représentants de notre gastronomie, et puis leur demander de nous composer une recette qui a marqué leur enfance. Et là, vous êtes allé à Marseille rencontrer Gérald Paceda. C'est ça? Exactement, Hervé, c'est au bar, pardon. Oui, bah c'est les deux. Hein. Ce matin, ça marche aussi. Partons à Marseille rencontrer un chef époustouflant. Il s'agit de Gérald Paceda. Gérald Paceda est issu d'une famille à la fois d'artistes et de cuisiniers. Sa grand-mère, Lucie Paceda, était une grande soprano. Elle était également la muse des Frères Lumière, figurez-vous. Et son papa, Jean-Paul, était lui cuisinier et chanteur lyrique. Ce qui n'était pas courant à l'époque, parce que c'était plutôt les femmes, hein, il y a trois générations. Donc vous l'aurez compris, ce chef Gérald Paceda a été élevé avec le goût de l'excellence, le goût du bien faire. Il reprend l'affaire familiale qui s'appelle le Petit Nice à Marseille en 1983. Attention, là, il faut bien être précis, alors, c'est le Petit Nice, mais c'est à Marseille. Exactement, une institution. En 2008, il décroche les fameuses 3 étoiles. Wow. Sa cuisine est vraiment, comment vous dire, époustouflante. C'est une balade, c'est d'un romantisme absolu, c'est d'une perfection, c'est vraiment... Mais qu'est-ce qui, justement, l'a touché quand il était jeune? C'est alors, quoi cette recette qui le faisait, qui l'émeuvait? On lui a demandé exactement, comme pour tous les autres, nous préparer une recette simple en souvenir de son enfance. Et évidemment, il nous a fait quelque chose d'extraordinaire, lié à sa chère et tendre Méditerranée. Ah, régalez-vous. Deux menus découvertes de la mer, s'il vous plaît. Bon, là, on va se préparer pour... Bonjour, chef. Ah, bonjour, Louise, comment ça va? Bien, et vous? Superbe. Bon, on va partir pour faire un petit plat de vacances. Allez, hein, je vous suis. La recette que vous allez nous préparer? Alors, je vais faire des rougets donc au barbecue avec une expression de fenouil et puis une petite salade de tomates pour rigoler, pour rafraîchir un petit peu le palais, voilà. On commence par quoi? Ben, on va commencer par faire l'expression de fenouil, qui est un jus de fenouil réduit. C'est votre mamie qui vous a transmis la passion de la cuisine? Il y a plein de gens dans ma famille qui m'ont transmis la passion, notamment mes tantes et mon grand-père Barthélémy, bien sûr, qui est italien d'origine. Donc, qui a transformé un petit peu toutes ses recettes marseillaises à sa sauce à lui. Et j'ai fait pareil. Ah, il faut que le poisson accroche? Voilà, il faut que c'est pareil que les sucres d'une viande, pour que c'est du goût, il faut que le poisson accroche comme ça. Voilà, on y est presque, ok, c'est parfait. On envoie le fumer. On fait donc rissoler, comme ça. Et là, on va pouvoir ajouter le fenouil maintenant. Donc, ça, c'est du fenouil? Ça, c'est du fenouil frais qui vient juste d'arriver, là, qu'on est allé couper dans les garrigues, en fait. Ici, c'était une cuisine de peu qu'on faisait à Marseille à l'époque, avec pas grand-chose dans les garrigues. Ouais. Et c'est pas grand-chose, mes grands-parents arrivaient à faire quelque chose de subtil. Entre-temps, nous allons mettre à cuire les rougets. Est-ce qu'on leur parle aux rougets, là? Ah ben là, t'entends leur dire, les enfants, c'est super. On va se régaler tout à l'heure. Alors là, on rajoute un petit peu des fraises dans la petite salade de tomates. C'est très, très bon avec. Surprise du chef. Qui sont dans l'huile d'olive? Ils sont dans l'huile d'olive, oui. Voilà, les rougets sont cuits maintenant. Ils sont bien beaux, ces rougets. Hein. Ah oui, ils donnent faim. Hein. Ça, c'est sûr. On leur enlève leur peau. Ça s'enlève tout seul, oui. Mais il faut le faire à chaud, par contre. C'est délicieux. On sent que vous êtes vraiment attaché à la Méditerranée. Hein. C'est vraiment ma terre nourricière. C'est celle que je protège aussi, bien entendu. C'est beau! Donc ça se sert avec la petite salade de tomates qui est ici. Donc l'expression de fenouil et de chair, rouillée au fumet de poisson. On va le passer au chinois et ensuite on le monte au fouet à l'huile d'olive. Il faut goûter, hein? Alors là, vous pouvez compter sur moi. Est-ce qu'on sent le fenouil? Mystère. Hein, ça sent bien. Bon, hein, petit côté réglisse. Ah bah ouais, forcément, c'est le fenouil anisé, quoi. Super bon. Voilà, ça y est? Ah bah ça y est, on est parti. Donc, on va l'arroser quand même. Hein. Et attention aux arêtes, je me répète, parce que le rouge, on est farci. C'est délicieux, chef. Ah bah parfait.
délicieux. Merci bien. Alors ça, pour vous, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Ces deux plats sont vraiment un souvenir d'enfance avec ce sucre, etc. quoi. Et surtout le rouget que je pêchais quand j'étais gamin en bas sur les rochers. Maintenant, j'ai envie d'aller me baigner. Eh ben, on y va. On y va ? Allez. Allez, je t'amène dans un endroit secret. Une crique que personne ne connaît. Ah. La suite ne nous regarde pas. Voilà, ce sont des expériences de Louise. L'eau était très très bonne. Donc voilà, évidemment, vous connaissez la phrase. Quand un grand chef, on vient lui dire « refaites-moi le plat de ma grand-mère », il vous répond toujours « c'est impossible ». On n'arrive pas, en fait, à avoir à égaler le goût de sa grand-mère. Mais oui. Là, vous qui avez goûté les rougets... Et c'est, bah, moi, je n'ai pas connu les plats de sa grand-mère, mais c'est toujours ce qui a été surprenant durant cet été. C'est, pour moi, j'étais sûre, en allant frapper à la porte d'un 3 étoiles qui maîtrise tout à la perfection, que pour lui, ça allait être évident, cette mission. Eh bien, non. Ils étaient sérieusement stressés, parce qu'ils se disent, voilà, toujours, est-ce qu'on fera mieux ? On retrouve, bien entendu, la recette sur le site de Télématin, et tout ça sera bien détaillé. Merci.